Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. M'espérer en forme, m'espérer de parler pour l'émission jeudi. Déjà, m'a dit un grand merci pour support dans réalisation travail c'est là. Continuez à encourager travail là, regardez vidéo, partagez, commentez, likez. Mais bien avant d'aller plus loin là, quittez me prendre un petit temps pour me voir un gros coup de chapeau pour quelques amis qui toujours dit Yannick, ah, de jeu arrivé tapant, mettez présent pour moi. Ah, on aime, nous jaloux, mais nous pas besoin de faire jalousie parce que nous pas citer nous tout le monde net jeudi parce que nous avons pris toute émission nous même et forme fait émission. Ma profite de saluer Révérend et Junior Bastien avec toute l'église qui toujours dit Yannick, ma prier pour vous. Pas jamais suspendre prier pour vous, pas jamais suspendre prier pour éditorial là. Merci Révérend, la prière ses âmes. C'est ça que nous gagnons contre tout vagabond, tout délégant de leur pays. Nous gagnons et Bishop Waldex Luma avec toute l'église dans Fort Lauderdale, l'église évangélique baptiste. Yo même yo toujours motivé pour garder mission. Ah là, message nous gagnons pour chrétiens. Yo pas oublier pas passer pour nous abonner avec page Jean et surtout là nous finissons les vidéos, partager vidéo. M'a voyons un gros coup de chapeau pour Madame Milan Fignoulé, m'a voué un gros coup de chapeau pour Edna Richel, son fan inconditionnel mission, qui par jamais la game mission, qui toujours là pour nous supporter sans garder derrière. Et pour finir là, je dis, on apprend un petit cercle ça, et puis on continue. M'gaye Marie et la Pacavala. Marie est là. Depuis la Galilée, oui, depuis la Galilée, il y a avec émission. Donc, merci à chaque ami, ça, on t'a déjà dit, non, pas besoin de faire jalousie, ils sont longs, moins pile. Nous, tout sous cœur, nous, toutes ces pâmes. Donc, travail là, continue, travail la fête avec nous, travail la fête pour nous. Et bien là, dans l'émission jeudi, hein. Nous allons parler des points extrêmement importants. Nous continuons puisque dans l'émission hier, nous avons présenté des faits qui prouvaient que réellement, ce n'est pas seulement en Haïti qu'il y a un blocage dans le dossier, dans le déroulement et dossier assassinat président Jovenel Moïse. C'est vrai que nous, au niveau international, actuellement, là, avons une confrontation, département d'État américain, corps groupe, Daniel et Daniel Foote, nous gagnons l'administration Biden, non? Et là, tout le monde s'est mobilisé, nous gagnons le Congrès américain, tout le monde mobilisé, tout le monde focus sur justice pour Jovenel Moïse, tout le monde focus sur le monde qui participait à l'assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, jeudi, là, pour nous faire suite, nous prenons présenter où? Je vais présenter des faits qui pral prouver que blocage qui gagne en Haïti dans le dossier Jovenel Moïse, c'est un blocage qui conditionné même au niveau de l'exécutif. D'ordinairement, d'habitude, nous toujours tendez qu'un exécutif a deux têtes. C'est ça, un exécutif qui gagne deux têtes, un président, un premier ministre. Je dis en là, nous pas gagné président. Nous pas de président, mais nous vîmes bon exécutif à trois têtes. Ou cas dit, ah, ça madame nous a dit là. Madame n'a pas droit? Mettez moi droit. Je vais l'expliquer avec des faits à l'appui, avec des éléments de preuve à l'appui. Ou pral comprendre que bon exécutif à trois têtes là, qui campe dedans pour empêcher déroulement dossier Jovenel Moïse au niveau judiciaire. C'est qui est-ce qui constitue exécutif à trois têtes? Ça, qui est-ce qui constitue trois là, on s'en yo, dans le pouvoir exécutif là, qui a empiété de manière continue dans le pouvoir judiciaire là, qui dernière action yo fait? Est-ce que action s'en yo, yo pral contribuer tout bon, dans avancer enquête Jovenel Moïse, ou bien nan mette barrière, nan mette plus blocage? Rete là, pral kon tout détail yo, dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Yon exécutif à trois têtes. Pour vous, ça paraît bizarre. Il paraît contradictoire, il paraît invraisemblable, il paraît insensé. Parce que formule là, son exécutif à deux têtes, un président, un premier ministre. Ça, nous clair sous lui. Nous pas transgresser. Et c'est ça lié, c'est ça le tadoué, c'est ça la continuité. Mais, dans la situation nous y est là, dans le contexte sociopolitique nous y est là,
avec assassinat président Jovenel Moïse, avec présomption de complicité, présomption de culpabilité qui gagne sous le premier ministre Ariel Henry, qui c'est chef exécutif là. Aujourd'hui, nous trouvons nous en situation depuis après accord en septembre, nous gagnons un exécutif à trois têtes. Ou gagne premier ministre Ariel en bord avec l'eau fadol sous dol, avec l'eau accusation sous dol, avec l'eau indexation sous dol. Nous gagnons comme pont dans l'exécutif là. Au milieu, nous gagnons SDP, Secteur démocratique populaire, André Michel, Nenel Kassi et Latrier. Et puis, en l'autre bord, nous gagnons régime PHTK. Nous gagnons le PHTK et Allié. Dans quelle situation, je dis, on a vive avec dossier assassinat Jovenel Moïse? Yon président assassiné, alors que au niveau interne, au niveau national, la justice, la police, ou gen les autorités de l'État, jodian ki gen non yo impliqué, ki gen rôle par eux joué, ki gen partition par eux joué dans tout le président. Et pour pral gade réalité ki gen là, ou pral gade réalité ki gen sous béton. Gon accord que premier ministre Ariel Henry signé, accord ça, c'est lui-même qui censé à protéger au niveau national. S'il y a des blocages, s'il y a des confrontations qu'a fait au niveau international, sous position, sous statut, sous fonction Ariel Henry dans tête l'État, dans tête pays, je dis là, on peut comprendre, c'est tout normal. N'exagère au niveau national, en Haïti, t'as toujours des moyens que y'a fait pour bloquer enquête là, des moyens que y'a fait pour bloquer processus là, pour juge pas qu'à prendre dossier, pour juge pas qu'à arrêter sous dossier, etc. Implication qui gagne, ça, nous tous connaissons déjà. Accusation qui porte yo sous premier ministre Ariel Henry, m'pa besoin faire appel pour nous. Nous tout connaît avec Badjo Félix, li parle 12 fois. Et pendant 12 fois, ça yo parle yo, minute la, durée allez, de minutes jusqu'à quelques secondes. Ça veut dire, moun sa yo te gon relation, yo te gagne, yo te gagne bagay yo te parle, yo te gagne dialogue yo te fait. Et non, même jour assassinat Jovenel Moïse, yo communiqué encore. Ça, c'est les détails. Maintenant, nous pouvons regarder la connexion directe qui gagne entre Badjo Félix avec premier ministre Ariel Henry. Puisque il y a des enquêteurs au niveau de la DCPJ qui étaient sous piste Badjo Félix et côté on t'a arrivé à l'ton Badjo Félix. Quand on est arrivé à monter en cours pour arriver à arrêter Badjo Félix, c'était dans la localisation, c'était la caille dans la résidence officielle premier ministre. Parce que l'information fait comprendre, l'information fait quoi que Badjo Félix avec Ariel Henry, ils ont toujours rencontré, ils ont toujours communiqué, ils ont toujours noué. Et ceci depuis après l'assassinat Jovenel Moïse. Pour aller plus loin, pour montrer que comment connexion y est. Révélation ou bien et aveu si nous ka considérer le constat que Rodolphe Jean alias Dodof te fait le li t'a parlé avec agent FBI yo li fait connait que après assassinat Jovenel Moïse le li même avec Badjo Félix yo te partagé même kay yo te nan même kay le Badjo te dit ah ou pas besoin inquiéter ou pas besoin peur tout bagay sous contrôle qui est-ce qui te gen contrôle tout bagay c'était Ariel Henry. Pourquoi donc? Pourquoi ou pral dite tout pour qui ça c'est Ariel Henry cap bay Badjo Félix des garanties alors que Ariel Henry saute le pompe le crier le relé dit que il pas gagne aucun lien direct avec Badjo, il pas parler avec Badjo, il pas gagne relation avec Badjo. Pour qui ça l'oblige à bay Badjo certaines garanties? Pour qui ça Badjo lui-même li oblige dans une situation pour la bay Dodof des garanties? C'est parce que quelque part yo gagne moun k'ap protégé, yo gagne moun k'ap sécurisé, yo gagne moun k'ap fait pompe pour yo. Nous sortis de implication Ariel Henry dans l'assassinat Jovenel Moïse, nous tombons dans la connexion directe que nous avons avec Badjo Félix. Maintenant, nous allons regarder le niveau de blocage continu, permanent, constant qui gagne dans le dossier Jovenel Moïse au niveau du pouvoir judiciaire. Pour comprendre le blocage qui gagne au niveau du pouvoir judiciaire, il faut remonter rapidement vers l'exécutif.
exécutif sont pral remonter, hein, c'est pas un exécutif seulement qui gagne Ariel Henry là-dedans, mais son exécutif Jean nous sont dit tout d'abord, là son exécutif à trois têtes, il gagne Ariel Henry en bas, il gagne SDP dans le temps, il gagne PHTK avec Martelly et allié non l'autre bon. On nous garde réalité en Jean Lia. Premier ministre Ariel Henry, souvien non ou une connexion avec les auteurs intellectuels, principal auteur intellectuel, là, c'est sûr qu'on a toujours fait tout ce qu'on est pour yon sécuriser, pour être à l'abri, pour yon pas arrêter, pour à la disposition de la justice. Maintenant, qui voit l'SDP? Qui voit, qui véritable partition SDP dans le lien ça? Dans le lien, dans la connexion ça qui gagne entre PM Ariel Henry et pouvoir PHTK? Parce que nous, d'où SDP sont bon. Nous gagnons André Michel qui prétend li ka pitilanding que tilanding li même. Li ka bay problème en dedans pays et puis après li rentre dans le pouvoir côté que li gen garanti côté que li à l'abri. Non, bagay yo pa ka comme ça. André Michel à travers SDP, André Michel à travers accord li siyen avec premier ministre Ariel Henry, li vin créer yon pont jodi an la ki peut-être font paquet moun comprendre que et ti tap ou bien ti sorti la fait dans la presse pour dire que faut yo poursuivre Michel Joseph Martelly, faut yo poursuivre li dans l'argent ONA, faut yo poursuivre li dans l'argent Petrocaribe etc etc etc. Bagay sa yo c'est bluff, ça c'est timaniguette puisque on va l'expliquer. On va l'expliquer, nous sommes même table n'a négocier poste politique. Nous sommes même table n'a négocier des postes ministériels. Nous sommes même table n'a négocier des directions générales. Et puis jodi on va dire c'est dans intérêt peuple, c'est pour nèg PHTK ou pas prendre tout pour quoi qui fait nous rentrer tête nous et puis nous pral prendre parti par nous. Nous pral prendre parti par nous pour peuple, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout et le pape jamais vrai. Malgré que moi gen nèg, moi gen monsieur dame sur réseaux sociaux sur internet là qui a défendu Beke Ong SDP, qui a défendu Beke Ong André Michel Nenel Castillo, mais quelque part monsieur dame ça yo pas réalisé dans qui piège je prends avec SDP qui fait partie de l'exécutif. Ou gagner régime PHTK qui sont régime son régime mafia économique, mafia politique, on sont pas qu'être censuré, mon cap soucé. Et je dis là pour des accusations qui gagnent sous do Michel Joseph Martelly par rapport avec douane, par rapport avec soi-disant 3 millions de dollars que t'as touché et chaque l'a touché chaque mois dans Méromel Bell qui c'est directeur douane. Donc on obligé à poser cette question. Qui tout dérive ça, qui tout corruption ça, qui gagne en dedans l'État, alors que Jovenel Moïse, l'été dit la bataille contre et ces problèmes pays a gagné, corruption. Et puis, jodi en là, nous face avec corruption de manière perpétuelle, nous face avec corruption de manière visible, et même assassinat Jovenel Moïse, c'est même logique corruption, c'est même logique nèg a vendre, nèg a liquider, nèg a ouvrir barrière, qui aboutit avec tout bagage ça. Donc, ou gagne SDP qui joue rôle pour maintenant ou gagne le régime PHTK et Michel Joseph Martelly ou gagne Kiko Saint-Rémy ou gagne Madame Martelly etc etc tout le monde ça qui constitue PHTK qui gon mainmise sur administration publique là qui gon mainmise jodi en sous pouvoir judiciaire dans le dossier Jovenel Moïse yo fait de manière réfléchie s'il s'avère être vrai que te gon lisse Jovenel Moïse t'a préparé des séries de nègres qui dans trafic stupéfiant qui vend drogue, des séries de marchands amande dans pays que t'a préparé pour te remettre FBI et que dans liste ça t'a gagné qui cola dans bon frère Martelly et que dans liste ça t'a gagné des proches du régime PHTK là-dedans, des alliés de Martelly et que dans liste ça t'a gagné des bandits légaux entourage Martelly. Donc vous pouvez comprendre que l'homme Jovenel Moïse aujourd'hui là au niveau national, au niveau judiciaire, enquête là toujours bloquée. Parce que Nexaro n'a pas de mettre des hommes influents dans la République. Qu'on y a qui s'arrive? Comment yon fait pour yon bloquer enquête là au niveau judiciaire? Qui action yon pose? Premier, c'est Ariel Henry te fait. Le commissaire gouvernement Bedford Claude, li te fin mande à ce que et Digicel bali relevé téléphonique et Ariel Henry avec Badjo Félix. Ariel Henry, tout plume sous le délevé. Ça, nous t'es conscient de lui. Qu'on y a qui s'accrivait?
CGA te mande di jisel bal informasyon sa yo. Sa yo se des informasyon yo. Se des indis yo. Men, sou ta bon komisèr du gouvernement ki pa tenu kont de indis sa yo. E jodi an la nou ege komisèr du gouvernement nan tèt pake pou dobre sa. Se ranse ya prensizèlman la. Ge substitu komisèr se dan rap gre. Aloske, jodi an responsabilite an se ki sa liye. O nivou sekurite an. Se rive somme, se rive e mette menan pat kasav tout nèg, tout delikan, ke lte nan pouvoi, ke lte nan oposisyon, ki ap si men den an de dan peyi, yon nou wè bagay sa ou pa preokupe yo. Koun yon ki sa prive, vu ke Bedford Claude li te deside voyon on rekizitro supletif bay juj instruksyon Gary Aurelien kap travay sou dosye ya, ki sa prive, ou jwen yon revokel. Ariel Henry li estomake, li mande pou Okfelorin sa te revoke, l'Okfelorin sa pre, li mèm la feti rebel li, yo voye Bedford Claude ale avèk tout Okfelorin sa. E pi ki sa le fè, li mette Bertrand Dorsey nan tèt Ministère de la Justice, ki gen kontrol sou komisèr du gouvernement, pwiske m toujou di nou, et toujou sonje sa, lè nan pale de yon komisèr du gouvernement, c'est un agent de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire, pwiske se ministre de la Justice la ki nomme komisèr du gouvernement, donc si yon nomo, yon karevo koto, se job exécutif la wafè, se politik, se politik et judiciaire exécutif la vin exécuté nan pouvoir et judiciaire la. Donc, li te fasil pou yo revoke Bedford Claude. Li te fasil tou pou yo dou wak fe lor insan son ti rekalcitran liye, son rekalcitran liye, la van, la pachete Ariel Henry, donc yo voye le de kote. Yo mette le sou bon touche sa. Maintenant, te vin rete Claude Joseph, et finalement, yo voye denye gren sa ale, yo te voye Rinald Duberis ale, yo voye secrétaire général palais national la ale. Donc, yo débarrasse de tout moun jodi an ki te ka gen ou influence nan pouvoir judiciaire la, ki te ka jwe influence nan pouvoir judiciaire la, aloske yo te nan administration toujou, pou yo pat rive et jwen des informations direct, rapide, sou dossier, sou déroulement, enquête, assassinat Jovenel Moïse. Ou pral trouvo nou situasyon avèk skandal ki eklate avèk juj Gary Aurelien, yo pral mette tout ou ni diferan moun ki implike nan asasina Jovenel Moïse. Pou m'explike nou bagay ki se. Juj Gary Aurelien te juj instruksyon dosye Jovenel Moïse. Te gen des ak d'instruksyon ke te gen tan fè nan dosye ki finalman li pral rentre yo. E dare, nèpòt ak d'instruksyon ke te gen tan fè, li te met pa rendu publik. La presse te met pa gen tan au kouran. Depou te gen tan redijel, li retranskri nou an kaye, et dare ne pot moun ki au kouran de li ki gen des informasyon sou li, li ka toujou partajel. Et se la ki sa te rive. Ou fè de seri de mandat pou te invite ki es, pou te invite mante li, suivant klame au publik, suivant sa tout moun ap di, ou fè mandat pou Kiko Saint-Rémy, ou fè mandat pou Pierre Espérance, kote yo, jusqu'a skè yo sorti, jusqu'a skè yo kite dosye Jovenel Moïse, moun sa yo pa jam tande yon fwa. Ou pa jam tande yon fwa. Ou mette en liberté provisoire de policye, ou mette policye sa yo en liberté provisoire, aloske son la riyan ki sal bay, ke genye l'ajan ki bay pou liberasyon polisye sa yo. Ou gen grefyon ki ale nan erjire te kor, ki ale solisite moun yo, ki ale mande moun yo machin, aloske le grefye rive, grefye di kon sa li vini sou lod Gary Aurelien. Tout bagay sa yo, se de pist yo yi. Se de pist, poche ke ou pral explike m, ou moun lopra Olidamus, Olidamus ki se direkteur jenete kor ki te mette machin an la dispozisyon de John Joel Joseph pou bay Colombien tou yon Jovenel Moïse. Ou pral tende on juj instruksyon, komisèr, on grefye ki sou on dosye. Jodi an se moun sa yo kalman de lot parti, sa parti an koza lalman de yo machin aloske ta suppose genye limite etiklo, ta suppose gen limite moralite yo pou nou pa indekse, pou nou pa interfere nan relasyon diferent parti yo. Nou pa fel, nou pa respekte limite, nou pa kon limite nou. Louen de la, lide pou mkraze nèpòt juj ki ta pren dosye Jovenel Moïse, men la, aktuellement la, nou nou situasyon trè difisil au pouvoir, au nivou du pouvoir judisyel. Ki sa liye? Pouen sa nou pral trete la, son pouen ki ekstremement sensib. Son pouen ki teknik,
qui m'a demandé un pile attention, qui m'a demandé un pile focus. Ça qui arrivé que ou te gètan wè sa k pral pase an, ou te gètan konnen ki piège nèg yo mete a te a la nan pouvoir judiciaire la. Ça qui arrivé tout pat konnen pat wèl. Moi-même, Yannick la pou sali la pou ouvri yo, pou informe yo, pou vin formo, pou edo dekortike sa k pase pou dekode sa gen la a te a nan dosye Jovenel Moïse. Fè bien entendu, bien avant, faut m paye loyer, faut m paye tay la. Non pral pati pose mwen gen, n'ap tourne tout de suite après. Pour cette émission. Hey, aucun problème bon. Zers of Moringa pour tes solutions pour. Gien outils c'est pour mettre ball en même. Ça pral permettre de rallonger peignon. Bal longueur vle et puis survle pour moun vle. Dans 90 jours seulement. Solution non mais pardon yamandio. Gien bon yon traitement 100% naturel pendant 90 jours tout bec a été fini. Tout garçon ka utiliser. Relé nan 514-886-9776 ou bientôt passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Bon petit proverbe girl qui dit, moun ki souhait pour ou, c'est pour ou changer chemise. Baba, je n'ai pas une explication, non. Nous parlons de tête, peut-être pour que ça me prenne illustration, ça, pour que ça me vienne avec proverbe bizarre. Mais tout au long de l'émission, tout déroulement, je vais le faire là, toute explication, je vais le présenter nous là, nous allons le comprendre. Nous allons comprendre de par nous-mêmes d'ailleurs ces grands timons nous. Dossier Jovenel Moïse, il passe trois juges là. Doyen te désigné au premier juge, Mathieu Chanlat, il déporte. En deuxième juge, Gary Aurélien, il accepte le dossier, il passe trois mois à pêcher le dossier, il part en ordonnance, il demande de prolonger le délai, il demande de le déporter, il pousse de le dehors. Doyen désigne un troisième juge, Chavan Etienne. Chavan Etienne, finalement, il déporte le dossier. Au cas où vous question, il dit bon, Chavan ne peut pas prendre le dossier de manière officielle, il ne peut pas faire transmission de dossier, mais comment ça se fait le déporter? Bon, tout fait, tu rappelles ça pour vous, tu rectifications ça pour vous. Depuis, doit un tribunal te gen désigné de manière publique, tout le monde te gen konnen, li désigné dans le dossier comme juge d'instruction qui pral traiter dossier. Même le pot ko gen transmission officielle qui fait pour yote dou, dossier que te nan men Gary Aurélien, yo remet li avec et Chavan Etienne dans bureau Chavan Etienne, etc. etc. Chavan Etienne te gen à la charge de dossier. Et c'est pour ça nous pral wè. Li oblige respecter procédure là, li déporter le dossier. Pour qui ça pour le cabay accès avec et doyen pour doyen désigner l'autre juge. Qui ça crivé là? Trois juges qui passaient dans 7 mois dans dossier Jovenel Moïse. Youn te rive prendre pour te commencer instruction dossier qui pour ka fini. Qui pour ka arrivé dans stade inculpation pour présumer assassin sa yo, présumer criminel sa yo qui trouvé actuellement dans pénitencier national pour un groupe qui est éparpillé, qui en cavale pour un autre groupe et quelques qui retrouvé aux États-Unis en Jamaïque. Oh, m'pa oublier la Turquie tout non? M'a oublié. Donc, bon commencer par son petit rappel pour nous. En janvier 2021, Jovenel Moïse te gen 3 juges li te décidé pas renouveler mandat yo. Et youn nan faiblesse qui gen dans pouvoir judiciaire jodi an, c'est le fait que c'est président de la République là, président de la République, c'est lui-même qui gagne responsabilité pour nommer juge, c'est lui-même qui connaît qui juge la renouveler mandat yo, qui juge pas renouveler mandat yo. Alors ce que yo di, c'est 3 pouvoirs qui indépendants. Donc il y a une contradiction quelque part. Qu'est-ce qui arrive? 3 juges sans yo, yo te gen des dossiers sensibles que yo t'a instruit. Nous gen Étienne Chavan là qui sont déporté le dossier Jovenel Moïse, lui-même il te gen responsabilité pour instruire dossier massacre la Saline. Et dans dossier massacre la Saline là, qui est-ce qui t'est impliqué là-dedans? C'était des proches du PHTK. Nous te gen à l'époque et Fednel mon chéri Rigaud Duplan, que yo t'a indexé comme moun qui t'a planifié, comme moun qui t'a prémédité massacre qui t'est fait là. Ou bien après ça, Emmanuel Vertiller lui-même, qui sont l'autre juge, qui était à la charge instruction dossier Café Trio.
dossier café triol, c'est dossier côté que t'es un animateur Tropicana, c'est le sam que y a eu la tortue, t'es gué, on rencontre lui, t'as fait, et puis autant de gaz lacrymogènes pété en dedans, moun blessé, moun mouri, animateur Tropicana, ça, du bois, il était tout mouri. Et ça, pitrissa, nègla, lui vini dans café triol pour l'al prendre, en caméra pour l'al bail, pour l'al bail filmer, en termes madame ni, dans le jour, et puis c'est jour ça, vagabond politique, vagabond inverse, yo assassiné nèg la dans café trio. On pral vin joindre Jean-Wilner Morin lui-même qui à l'époque était président association magistrat etc., etc., qui lui-même c'était youn nan juge tout que président Jovenel Moïse pas choisi renouveler mandat. Trois juges ça yo qui à l'époque était dans pouvoir judiciaire là qui était gain des responsabilités des tâches sous do yo pour yo exécuté. Non logique politique, non contexte politique. Yo te voye yo aller, yo pas de renouveler mandat. Et puis jodi an, voilà que de revers de main, nèg sa yo, yo retourne, yo refait surface. Yo refait surface pendant que moun ki choisi volontairement reconduit yo, moun ki choisi volontairement renouveler mandat yo, réintroduit yo dans pouvoir judiciaire, dans ce qui est lié. Est-ce que nous connaissons yes? Premier ministre de facto Ariel Henry. Ariel Henry là, l'histoire renouvelé mandat 8 juges. Parmi 8 juges ça yo, gagne Jean-Wilner Morin. Nous aime pousser sur nom Jean-Wilner Morin, on va dire non pour ça. Gagne Étienne Chavanne qui lui-même se déporter le dossier. Étienne Chavanne nous va comprendre dans situation nous est là. Proverbe là, il y a tout sens. Moun qui souhait pour vous, c'est pour vous changer chemise. Là, on va le dire, pour qui ça, c'est proverbe bizarre. Et bien, on va le comprendre que, on va le comprendre, non niveau moralité nègre en Haïti. Discrédit qui gagne, pas bon côté pouvoir judiciaire là. Discrédit qui gagne, non dossier assassinat Jovenel Moïse, par rapport avec niveau de corruption. Par rapport avec influence exécutif là, par rapport avec influence premier ministre Ariel Henry dans blocage, par rapport avec clan PHTK qui a fait blocage, qui a empêché des séries de alliés de proches paraître devant un juge pour tendre yo, paraître devant un juge pour auditionner yo. L'on prend le cas par exemple de Kiko, ou prend le cas par exemple ancien président, ou prend les proches de la famille présidentielle et de Martelly. Moun sa yo, yo à l'abri, yo protégé. Ou gen Ariel Henry qui a protégé, ou gen même le clan politique jodi an la, ou gen SDP qui servi comme pont. Mais exécutif là, des séries de nèg, des séries de nèg qui tape du Jovenel Moïse, fok yo, mette caoutchouc, Jovenel Moïse, fok yo al pran Jovenel Moïse, mette caoutchouc dans tête, etc. Comme si des séries de zag, des agressions psychologiques qu'on a fait, des agressions, des menaces qu'on a fait, jodi an. De même que clameur public là t'a exigé que autant d'un groupe moun faut yo t'attendre nèg sa yo. L'on prend par exemple, l'on prend le cas par exemple ou prend groupe Don Kato yo. Clameur public cité non yo. Opinion publique nan jwenn wèt sou yo. Ou prend des séries de nèg jodi an ki dou yo nan akòp une Montana dou depuis Jovenel et Moïse qui te pouvoir tout bagay ap calme. Jodi an faut yo ta gen des explications pour yo ta bay un juge. Donc, nous n'avons pas de souci pour bagaille ça. Pas de velléité pour enquête là avancer tout bon. Kounya, nous allons parler de bagaille beaucoup plus sérieuse. Si nous avons mis la loi de côté, la loi de Boussol, c'est vrai, mais nous avons mis la loi de côté. Puisque le premier ministre Ariel Henry, dès le départ, il n'a pas gagné attribution pour nommer juge. Ariel Henry, est-ce que c'est président de la République lié? Non. Ariel Henry, est-ce que son président élu? Non. Ariel Henry, est-ce que son président de transition? Non. Il n'a pas porté statut président. Il n'a pas un grade président. Ariel Henry, son c'est premier ministre de Félié. Et puis nous, il va être l'obligation, il va être l'attribution au président. Il a nommé juge. Et juste ça, qui nommé là, dites tout bien. Chavanet, c'est lui-même, nous clair sur ça. Au moins, il y a un minimum de moralité là, Kaili. Il y a un minimum de moralité parce que il connaît qui sa dossier Jovenel Moïse li impliqué et d'ailleurs Jovenel Moïse te retire dans pouvoir judiciaire dans contexte politique
Ou je n'ai rien à qui décrier. Tout le monde a plongé le web sous lui comme monde qui participait dans tout le Jovenel Moïse, qui participait dans planifier assassinat Jovenel Moïse. Li pa ka vin réintroduire, li pa ka retourner avoir dans pouvoir judiciaire là et pour pral jwenn un doyen complaisant qui pral désigner comme juge pour t'accepter dossier. Même ou même clameur public t'a supposé longer le web sous. Même leur t'a dit toute moralité qui existait, même leur t'a dit toute éthique qui existait ou pas dans position vraiment pour t'amener dossier Jovenel Moïse sans que nèg ça ou pas t'a influencé sur sans que nèg ça ou pas t'a utilisé des moyens de pression sur sans que nèg ça ou pas t'a cherché corrompre et corrompre. Et c'est une des raisons le Chalon Etienne by cause déportation que ce soit pour des raisons familiales parce que famille yo peur famille peur parce que yo sont gardé qui ça t'a passé avec Gary Aurélien là moun yo suivre et opinion publique là moun yo suivre déroulement dossier yo suivre information yo sont avec Gary Aurélien là Gary Aurélien vini depuis l'elle vini yo a décrié OK pas de problème ton jeune juge mais scandale corruption ces derniers gouttes d'eau là. Et de pour nous recevoir, nous disons avec les gens qui participent dans tout, dans faire complot pour tout le Jovenel Moïse, c'est sûr que ou pas bien l'autre rôle. C'est le chic le pop gay. Les gens qui filment nous, ils ont jeté. Jean ou ils jeté. Gary Aurélien là. Jean ou ils filment nous, ils ont jeté. Ils ont jeté là. N'est pas de juge. Les gens mettent un blocage qui font quoi? N'est pas de juge, ils taillent à là. N'importe juge doué de moralité, pas doué de moralité, n'importe juge lié. Depuis vraiment, ou gon minimum de moralité de ces Jovenel Moïse, yo fò peur. Yo fò peur parce que y a cherché corrompu, y a menacé, y a intimidé. Non kap cité là comme juge, yo pral désigné sous dossier Jovenel Moïse, c'est Jean-Wilner Morin. Jean-Wilner Morin gon parcours dans pouvoir judiciaire là. M'pa vinn parler pour me décrier juge, m'pa vinn parler pour me dire juge pas gen moralité, pour me dire juge pas gen conviction etc. etc. C'est pas là l'idée. So doit comprendre, so doit saisir dans dossier ça. C'est que de par nomination qui fait là, de par réintroduction qui fait là. Du fait que Ariel Henry réintègre M. Sayo dans le pouvoir judiciaire, il y a des soupçons, il y a des suspicions. Et suspicions, ça est légitime. Il est légitime parce que l'on regarde une série de mon Ariel Henry mette, que c'est au niveau des tribunaux, que c'est au niveau du CSPJ, nous, c'est même mon Sayo encore qui impliqué dans le dossier Jovenel Moïse. Donc, est-ce que pas des redevances? Est-ce que pas gagner des redevances? Est-ce que pas gagner des moyens de pression? Et moi tourner en voir. Et moi tourner en voir oui ou douim. Et moi tourner en voir faut rendre moi des services. Et moi tourner en voir faut faire ceci, faut faire cela, parler les X, parler les Y, parler les Z. Même l'autre avec toute moralité qui existait. Pression ça on pas supporter. Même l'autre avec toute moralité qui existait. Intimidation ça yo, on pas supporter. Jodi, regarde nan ki dilem, regarde nan ki problème Gary Aurélien. Au niveau national, très certainement, nous pensons que Gary Aurélien a une carrière là. Avec toute accusation de corruption, ça yo. Dernier coup pour tout yé coup pour se voir, ça c'est enregistrement vocal. Ça c'est dernier bagaille qui pour dire que, bon, Gary Aurélien, j'ai l'impression que tu as supposé, tu as tout supposé et mettre. Mets ton petit pause dans la carrière, oui. Alors, font l'autre bagaille. Parce que là, au niveau du pouvoir judiciaire, tu es décrié ou fini. Ou fini à Fifi Anini. Donc, n'importe juge là qui vient dans le dossier Jovenel Moïse, premier blocage, c'est qui s'allie. Qui est-ce qui t'est nommé? Qui est-ce qui t'est nommé? Est-ce que vous êtes un juge qui t'est là bien longtemps? Qui t'est nommé depuis sous Jovenel Moïse, etc. etc. Ou bien est-ce que c'est Ariel Henry qui s'est renouvelé mandat, qui s'est réintégré dans le pouvoir judiciaire? Chalon Etienne, il fait bon choix pour moi. Pour moi, il tout retiré. Quand il va quitter les gens, tout gel, vin planifier assassinat, vin corrompli, vin sale nol, ou bien vin faire pression sur lui, vin faire des exigences. Il tout posé.
Est-ce que Jean-Vilner Mouret li gen rein assez solide pour le pas soumettre avec tentative corruption, pour le pas soumettre avec intimidation, pour le pas soumettre avec pression, pour le respecter serment li te gagné, pour le continuer, pour le chercher tout le monde qui impliqué pour le bail la justice, Jean le supposé, Jean le doué. Est-ce que Jean-Vilner Mouret la kaga de bagay yo Jean yo ya 1 plus 1 pour dire mes faits yo là, mes indices yo là, mes commencements de preuve yo là? Ariel Henry, oui, non le cité. Ariel Henry, oui, mes commencements de preuve, mes indices yo, faut me rele Ariel Henry, faut me tendel et s'il le faut, faut m'inculper. Est-ce que Jean-Vilner Mouret la gen courage ça? Est-ce que la ka fait action ça yo tout bon? Est-ce que acte d'instruction ça yo la ka pose yo? Est-ce que juste ça, la carrelé Michel Joseph Martelly pour venir comparaître pour le temps d'elle? Est-ce que la carrelé Kiko? Est-ce que la carrelé base bandit légal qui te prête caillou, qui te mette caillou à la disposition pour réunion faite? Rapport de CPJ, j'aime bien l'ou. Lila est fort nous l'il. Pas prétendre que rapport de CPJ n'est pas important. Là, dans chaque petit page, j'ai un petit détail. Chaque petit page a un petit détail qui est important. Donc, je dis là, responsabilité, ce n'est pas seulement responsabilité et pour pouvoir judiciaire pour le bail Jovenel Moïse justice. Son responsabilité que chaque juge gagne je dis là pour faire preuve d'éthique, pour faire preuve de moralité. Sous qu'on a son petit sous, son petit vicieux, ou pas de moralité, ou pas respecter les règles éthiques, dossier Jovenel Moïse en de grâce, pas rentré qu'on l'a donné. Mais sous qu'on est, ou gen rien solide, ou pas pep pièce nek. Pendant que Jovenel te voye ou ali, Ariel Henry, relo, pour ta Ariel Henry, oui, Ariel Henry, tout preuve yon dit le complice, pour ta ou pas prele Ariel Henry, ou pas besoin pre dossier. Faut que nous commençons gen moun de valeur tout bon de dans pays. C'est vrai, gen bel éloge qu'a fait pour Jean-Vilner Mouret, c'est un magistrat et de valeur qui se respecte, qui respecte les règles éthiques, etc. Yo sou route pour yo désigner. Est-ce que yo va accepter dossier ou pas? Ballon nan pou ou konnen. Mais dossier Jovenel Moïse, d'autant que principaux actes d'instruction yo pas respecté. Acte d'instruction pas tourné vers Ariel Henry. Acte d'instruction pas tourné vers et le PHTK y allié. Nous là, n'a dénoncé, nous là chaque jour pour nous responsabiliser population pour yon kon qui ça yon doit faire. Qui est-ce pour yon longe doit être sur yon? Qui est-ce pour yon viser? Et à qui niveau blocage yon yon dans le dossier assassinat Jovenel Moïse? C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et les nôtres. Mon éditorial vous dit tout. Émission Mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. En rien.